le développement du judo jiu-jitsu a été fait pour aider les gens qui avaient fait du judo puis voulaient avoir une autre carrière dans le judo et de continuer leur apprentissage, de ne pas perdre ce qu'ils ont déjà appris et de continuer et de l'amener sur un aspect plutôt plus proche martial. Le jiu-jitsu, finalement, c'est un retour aux sources. C'est l'ancien judo, c'est le judo originel. Et ça nous permet encore plus de déployer une gamme là, de techniques qui sont un peu oubliées, les clés de jambes, les clés de poignet, travailler la distance aussi. Ça nous permet de travailler avec les armes qui sont qui étaient malheureusement oubliées un petit peu dans le judo, mais maintenant qui revient à travers les katas, le kimino kata, le goshin jitsu, nos katas, mais aussi à travers le jiu-jitsu. Alors, pour cet aspect-là, c'est aussi quelque chose d'intéressant de travailler avec le tento, avec la matraque, le tambour, avec le bâton court, avec le bâton long. C'est des choses qui sont très intéressantes aussi. Lorsqu'on s'entraîne au judo jiu-jitsu, oui, on apprend les atémis, les coups de pied, les coups de poing et tout. Les étranglements qui ne sont pas permis au judo, on les applique aussi. Il y a des techniques qui sont prohibées au judo qu'on amène aussi. Donc, même si on voit les atémis, c'est là pour complémenter le judo et non pas pour être pour, comme finition. Le judo jiu-jitsu doit démontrer un contrôle et non pas une finition agressive envers l'adversaire. Ça peut aussi être très adapté à partir de kata, à partir de techniques qui vont être adaptées aussi selon notre degré de condition physique. Alors, ça peut être utilisé, pratiqué par homme ou femme. Aussi, ça permet des nouveaux venus qui ne veulent pas faire la compétition, de faire d'autres choses, d'apprendre du judo, de développer du judo et aussi, encore une fois, faire d'autres choses que de la compétition, mais aller chercher les racines du judo. Ça se fait dans un climat de camaraderie. Alors, c'est comme le plaisir de pouvoir se tirailler de toutes sortes de façons entre amis. Donc, c'est pour ça que le judo jiu-jitsu a été développé, pour aller chercher ces gens-là, pour les amener vers nous, pour qu'ils puissent continuer à apprendre c'est quoi le judo d'aujourd'hui. Donc, et on l'appelle judo jiu-jitsu pour garder l'aspect martial dedans.